Toi d'argent, je vais devenir fou. Comment ça? Mais non, salut, je suis Polak. Bonsoir les pouilleux. Oula. Oula. Ça va pas monsieur? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que ça irait pas? C'est complètement malade. Pourquoi vous le traitez comme ça là? Bah écoutez, regardez comme vous êtes habillé. Vous allez dans des boutiques bas discount. Moi que j'aime pas ça. Vous êtes pas le fleuron de l'Amérique. Certains n'ont pas les moyens. Au pire des cas, vous... Bien, passez-nous de l'argent. Oui voilà, au pire des cas, voilà, passez-nous un petit 200 dollars l'histoire. Vu que vous avez un bon cœur, vous avez un bon fond, ça j'ai pas de bon cœur pour les gens comme voilà. Vous. T'as qu'à aller t'acheter un travail, abruti. Doucement sur les mots. T'as rien, commence à m'énerver. Doucement. Ça va pas la tête, t'es complètement malade. Ah, salut chérie, comment tu vas? Ah, ça va et toi? C'est quoi cette tenue? Tu t'habilles comme les pouilleux? Votre meuf, c'est une pouilleuse. C'est une pouilleuse, oui. Non, c'est qu'elle essaye de se fondre dans la masse pour comprendre. Mais oui. Et oui, il faut que je me fonde dans la masse pour comprendre les gens. Qu'elle m'appelle pas chérie, hein, c'est horrible. Sur vous, et oui. Oh non, et après, là, tu quoi? Ça m'aime tellement mal. J'écris des articles. Vous écrivez des... quoi, journaliste? Ouais, le titre, ça sera Les Pouilleux de Los Santos. Bien dit, épouilleuse. Ça! Et pouilleuse, faut pas l'oublier. Non, qu'elle se fonde dans la masse. Blanc, je me... Là, je suis grave frais. J'ai un petit parfum Scorpio. Waouh. Scorpio. Ouais, voilà. On fait pas ça en Suisse, je connais pas, non. Ouais bon c'est un petit parfum haut de gamme. Je vais à la boutique, je reviens. Vas-y, ouais, ah bah attends, viens là, viens là. Vas-y chérie, à plus tard. Vas-y, viens, je vais t'emmener à la... C'est moi qui l'ai appelé chérie. Je sais pas ce qu'ils disent. C'est bien familier. Viens parce qu'on a tout à la maison. Ah, j'arrive pas à ouvrir la porte. C'est bon. Ça va pas te traîner avec des gens comme ça qui pourraient t'arriver des bricoles. Mais je traînais pas, comme t'as dit, je me fonds dans la masse, tranquille. Je suis bien. Tu te fonds avec des masses, je me fasse un nom, ouais. À Los Angeles. Je suis pas sûr que c'est comme ça que tu vas te faire un nom, hein. Ouais, j'écrirai le meilleur article que tu verras. J'ai hâte de voir ça. C'est juste pas habituel. Allô? Allô? Parti chérie, tu m'entends? Faut arrêter de m'appeler comme ça, oui je t'entends. Pourquoi? Bah je sais pas, je trouve que ça met pas ma condition d'homme en valeur. Ça va mon Marty, mon gros bonhomme? Oui, c'est moi, c'est Marty le gros bonhomme, oui. Ah bon, j'ai un peu abîmé la voiture, mais juste un peu vieux. Comment ça que tu l'as un peu abîmé? C'est pas beaucoup, hein, j'ai juste mis un petit trottoir, bon, une rayure de rien du tout. Bah il faut te débrouiller avec ceux à qui elle appartient, que je sais pas à qui elle est moi, hein. Ah bah je l'ai dans ton garage donc Bon c'est le garage du studio, hein. Ah oui, bon c'est au studio non, donc c'est pour ça que voilà. Mais c'est pas ma faute en fait, il y avait un poteau, il était là et il est venu et puis moi je roulais tranquillement et puis voilà. Oh je pense que ça pourrait faire une belle scène de film, oui tu raconteras ça, oui. Et t'es où? Je sais pas, je suis vers des gueux là, je sais pas, c'est bizarre. C'est un quartier qu'on dirait un truc de film, avec plein de maisons, mais que derrière les murs, c'est pas du carton. Ah, ça doit être un quartier vraiment un peu sale, non? Pas du tout, non, il y a plein de belles villas, oui. Je sais pas où t'es. Moi j'ai rencontré un type charmant, mais faudrait que je te raconte là, mais faudrait que tu me chercher sinon. Bah pourquoi, t'es en panne? Non, je suis pas en panne, mais je vais vite prendre la voiture pour l'instant. Moi, t'es où là? Je suis au studio. Bon, que j'arrive. Ok, à de suite, mon gros Marty, tout costaud. Bisous. Non! Non! Oh,
on est d'accord. Oui, Marty chéri. Ouais, il se trouve que quand tu m'as appelé, que j'ai fait tomber le téléphone, que j'ai pris une bosse, que j'ai cassé la voiture. Ah, tu pourrais venir le pousser, qu'il en faut pas beaucoup pour qu'elle retombe sur ses pattes, hein. Ouais, j'arrive, mais c'est pas où t'es. Ah, je suis vers un truc qui s'appelle Potaco, un truc comme ça, sur une route adjacente en haut. Ah, je vais regarder sur le GPS, j'arrive. Putain! Casse les couilles là! De quoi? C'était pas du karma là, ça n'a aucun sens! En plus, je l'ai vu la bosse, mais je pensais pas que ça se retournerait! Bonne journée! Qu'est-ce qu'il fait? Bonjour, messieurs, dames! Oh, bonjour, messieurs! Ah bah, qu'il est là, lui! C'est pas pour toi là, hein! Allez, hein! Ouais, de toute façon, je peux passer acheter des vêtements, hein. Je suis habillé comme un plouc! On va faire une coloration! Ah, je trouve que t'es pas habillé comme un plouc, tu me vois sorber! Bon, rejoins-nous au studio! Bon, ok, bah ça marche, mais j'arrive après, vieux. J'ai changé d'habit. Allez, monte-toi. Ouais, je monte. Oui, bah, monte. Bah oui, bah monte alors. Bah oui, je monte, tout à fait. Oui. Pourquoi que tu montes pas, là, dans le caisson? Mais... J'ai réfléchi. À comment je vais m'en servir? Putain. Oui. Oui. Fonte, hein. Fonte dans le caisson, oui, fonte. Et non, monte pas le coffre, qu'est-ce que tu fais, oh? Tu te prends pour qui, là? On va pas être plus de fuse, notre ami, là. Oh, putain de merde, là, j'ai une phobie des poignets. Regarde, t'arrives, tu te mets là. Et tu montes, quoi. Ouais, forcément, tu es connard. C'est quand même pas compliqué, quoi. Bah non, quoi. C'est vrai que je trouve que tu mets pas beaucoup du tien. Putain, là, je suis bien installé. T'es vraiment le roi des cons, hein. On sait d'où tu viens, au moins, hein. Ah, ça, c'est m'étonne pas, t'as les producteurs de cinéma, c'est tous des rôles, on les connaît. Ah, d'ailleurs, t'es à avoir du pognon à se faire ici. C'est vraiment gentil, moi. Ah bah tiens, c'est pas lui qui ferait le truc dans l'assurance? Ah, je pense, oui, ça pique pas mal, oui. Ouais. Bon, on a peut-être un contrat pour une assurance, là. Il est complètement malade, lui. Enculé, ouais, putain. T'as cru que la carrosserie, c'était gratuit, hein? Bah, il a fait un constat, hein. T'es malade, va. Sur le côté. Ouais, y'a un problème, t'as rayé l'auto, connard. Qu'est-ce que t'as dit, là? Je vais tout casser, je te préviens, hein. Oh là, quand je m'énerve, je peux être hors de moi, hein. Ouais. Oh, allez, 100 dollars et on oublie tout. Yo, yo, Kalash, mate-moi le pif du moine. Yo, tu t'es fait crosser ton homme, quoi. Oh, bordel. Ah, je comprends rien à ce qu'il dit, lui. Ouais, c'est ça. Allez, va te réduire, hein, tu pues, hein. Ouais, c'est ça, vas-y. Allez, casse-toi, casse-toi. Putain. Ah, c'est les Rasta Rocket que j'ai croisé tout à l'heure. Ils ont pas leur bobsleigh. Bah, ils ont quatre roues, hein. Décidément. C'est mes nouveaux habits, oui. Attends, que c'est où les assurances, là? Donc, voilà, c'est derrière. Attends, je lui coupe la route. Tu peux m'activer le GPS, s'il te plaît, que je sais plus où que c'est, là. Ah, tu m'as pris pour ton assistant de navigation, ou quoi? Oui, sinon, c'est bon, quoi, c'est là. Bon, attends, je te... Fast. Qu'est-ce que c'est? Un quoi? Go fast. C'est affolant. C'est les talons. Putain, je sais plus qui c'est leur prénom, là, c'est qui, Jess? Ouais, c'est le but, hein, il faut que je plaise à Marty Chéri, quand même. Marty Chéri? Oh, ah ouais, carrément. Je sais pas qui est cet homme, mais qui doit être bien content, hein. Du coup, oui, alors, le policier, tout à l'heure, il m'a dit que j'étais une go fast. Donc j'étais une grosse, alors, très bien. Une go fast, il a dit, pourquoi tu sais? Je crois que c'est un compliment, hein, je crois qu'il voulait aller go fast dans un parking avec toi. Ouais, je crois plutôt qu'il voulait dire que t'étais le genre de femme à faire un petit coup rapide. Oh. Ah, c'est pas, ça veut dire qu'il est éjaculateur précoce. Oui, bah y'a notre ami à la queue de cheval là, qui voudrait bien être embauché. Je cherche du travail, j'ai surtout travaillé un peu dans tout ce qui était assurance, pardon. Hein. Donc voilà, je me présente, Claude Ivan Debeck. Vous faisiez des arnaques aux assurances, c'est ce que vous avez dit? Non, pas du tout, j'ai dit que je vendais des assurances justement. J'ai fait ça pendant 5 ans. D'accord, oui, c'est très assurance bien. Vie, assurance mutuelle, assurance tout ce qu'il faut. Ah oui, même assurance touriste. Ouais. Assurance corporelle, est-ce que vous avez fait des assurances véhicules? J'ai fait du véhicule, j'ai fait de l'immobilier, ouais. J'ai même réussi à assurer un petit chien. Un chien? Pour quel principe? Quoi? Oh, parce que c'était quelqu'un. C'était un chien qui avait bouffé quelque chose et qui l'a jamais rejeté, donc du coup son propriétaire a voulu l'assurer. Attendez, c'est quoi la marque de votre assurance?
Bonsoir, excusez-moi. LS Assurance. T'as, vas-y, fais le jingle oui. De l'assureur est-ce militant. Est-ce que vous savez la personne qui travaille au LS Assurance est là ou pas? Oui, tout à fait. Le jingle, oui. Merci. Non, je sais pas que tu un problème, ceci, nous réglons tout le son, tout le monde. Voilà. Je suis pas encore au point de votre odeur, mais je peux donner. D'accord, je note. Je pense qu'il aura pas le rôle. C'est vendeur. C'est quoi le monde d'assurance? LS Assurance. Ouais. Vous êtes bien renseigné sur l'entreprise. Avec LS, on vous laisse pas dans la Hesse. Ouais, allez, Claudie, c'est parti. Hop, en direct, t'es parti. Ouais, voilà. Ah bah non. Bon, bah merci bien, c'est bon, il a passé l'entretien. Merci, messieurs. Hein. Bonsoir. Ouais, hein. Pas de problème. Merci beaucoup, monsieur. Oui, merci. Je hein. Commence de ouais, non, vous ne pas de main pour l'instant. Les mecs vont rien comprendre. Qu'on vient de tester des rôles. Ça n'a aucun sens. Mais faut qu'ils suivent. Avant d'être producteur, il a été acteur. Bah c'est bon hein, qu'on a fait le nécessaire, faut suivre maintenant, hein. Il a été acteur quand même avant d'être producteur. Je crois qu'il s'est pris au jeu, je crois qu'il peut vraiment travailler là. Ah, tu crois? Bah, décidément. Ah, bah, moi non plus, je suis prendre. Dis, je peux m'asseoir devant, s'il te plaît? Bah, vas-y. Ah, pardon. Tiens, ta portière! Vous le faites exprès, attendez hein. Ouais bah déjà ton prénom. Wesh ma gueule, bien fait. Allez mais y du tien un petit peu là. J'ai l'impression que tu les impressionnes, ils veulent pas monter dans ta voiture, oui. Bon faut pas avoir peur hein. Ah mais faut pas. C'est... Génial ok, qu'est-ce que tu veux que j'aille comme idée en assurance là hein. Ah. Voilà. Je suis là. T'as été nul, hein. Bon, mais complètement, hein. Jamais que t'auras le rôle, à mon avis, hein. Je veux pas aller m'avancer, hein. Bah, c'est un peu l'histoire de ma vie, hein. Ouais, je pense qu'on va repartir un peu sur des bases un peu plus basses. On va te mettre sur des rôles de figurant. Sinon, je peux essayer de te faire embaucher chez le monsieur Burger Machin, là. Mais pourquoi vous voulez me faire embaucher partout, là? Arrêtez avec ça. Bah, c'est moi, pour hein. Que tu travailles ton acting. Ouais, mon acting. Moi je suis passé à pressario recruteur maintenant, là. Et auteur aussi. Réalisateur. Oui, bah prendre la hauteur, oui, t'as raison, oui, ça va prendre un certain temps. Et je suis dans l'exil, mon nom générique dans Batman, hein. Pourquoi qu'il est au snack, lui? Je sais pas ce qu'il fait, il est en train de manger ou quoi. Ta mère, elle va jumper. Ça me rappelle Chris Cross. Qui c'est que ça? Je sais pas, un clochard, un SDF. Sur la SDF. Qui c'est que ça? Ah, je pense savoir. On dirait bien Jim. C'est Jim? Oh, Jim ouais, il est un peu timide, il va arriver tout à l'heure, je pense. Ouais. Ouais, t'as raison, alors fais tomber tes mini. Je sais pas ce qu'il fait, gros. Oh, du premier coup, bravo! Merci, t'es trop gentil, Marty chéri. Là, j'ai pas mis de chaussettes, je transpire dans ces mocassins. Ah, c'est ça qui sentait. Il y avait Jess qui nous attendait. Ah, bah, il est là, Jess. Qu'est-ce qu'il fait gay par contre, son perso? Salut! Bonjour, les amis! Ah, salut! Bon, qu'on a essayé de tester un rôle là pour être assureur militant dans une pub. Il a complètement foiré, hein, le Belge, hein. J'ai jamais été militant, hein, désolé. Ah bah bravo, ça m'étonne pas. Ah bah d'accord, je super. Je suis fait pour ça, moi. Je pensais ces conneries. Fais chier, putain. Oui. Donc du coup, tu vas y aller, toi. Qui s'avoue, hein. Ouais, toi, t'as une tête avant des assureurs, je te vois bien sur des affiches, là, sur des panneaux. Oui, est-ce que c'est un rôle comique? Bon, bien sûr, il faut faire des slogans et tout, là, c'est pile poil pour toi, ça, non? Ah, ouais, c'est des phrases d'accroche qu'il faut faire. T'es... Ouais, des craintes. Tu vois, moi, j'ai essayé avec LS et la S, mais ça n'a pas marché. Ah, oui. Et dites-moi, vous voulez entendre la dernière? Oui, vas-y, oui. Ah, non. Est-ce que vous savez pourquoi les flamants roses, ils dorment sur une patte? Tant que j'en ai pas la moindre idée, hein. On va dire parce non. Que s'ils dormaient sur leurs deux pattes, ils se casseraient la gueule. Hein? Ouais. Elle est bien bonne. Sur Google, elle est bonne. D'accord. Je vais l'introduire dans mon dernier spectacle. Ouais, ça sera le dernier. Ouais, hein. Ça sera le dernier. Oui, mais
Oublie pas de la montée. Par contre, c'est loin là-bas. Je vais chercher à manger. J'ai pas compris, je l'ai pas écouté personnellement. Hop là, alors. En vrai, je prends tous les gens que je connais, ils peuvent venir. Y'a pas de soucis. Hein. Ouais. T'as trouvé. Déplace un peu la voiture. Ouais, Gratin va venir, bien sûr. Non. Non mais y'a pas de soucis ça, c'est quoi cool. On se m'en bat les couilles. Si t'as envie, tu me dis et c'est bon, y'a pas de problème. Je te fais whitelist et pas de problème. N'oubliez pas qu'Adastra, on est tous un peu la même famille quoi, en gros. Hein. Arrêtez de faire renfler le moteur, j'ai l'impression d'être dans une course de dragster, eh. Je vais la noter celle-là. Ah ouais? Ça me va bien. Oui, c'est le truc qu'on sort pas tous les jours, quoi. Ah, oh, si c'est à moi maintenant. Hâte de voir ça, tiens. Connard. Mmh. Je vais profiter pour me changer un peu. Ouais, que ça te va mieux, je trouve qu'il y a un petit côté. Ouais. Femme d'affaires vénale. Ah, bon. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je vais chier. Vénus. Oui. Oui, ça se tient. Oui. Femme d'affaires vénuse. Ouais. Oui. Ah, c'était la blague, oui. Celle-là, bah, oui. Par contre, la note pas dans le calepin. Hein. Bon, ça va. Non, j'adore le t-shirt, oui. Quel amour. Oui, t'as vu ça. Vous savez ce qui serait une bonne idée? Parce que des bonnes idées, j'en ai souvent. C'est que je vais aller mettre une annonce pour recruter des figurants qui seraient bien payés à la semaine. Mais que ces figurants qu'on les payerait aussi pour avoir plein d'informations en ville. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On préfère un genre de grand casting. J'ai déjà quelqu'un qui pourrait être intéressé. Ah. Encore ce que chez Burger, il m'a dit qu'il avait. C'est gratin, je sais pas, en Italie. Putain, c'est dommage, gratin. Voilà. Comment ça va? En italien ouais, non, ça peut être bien ça. Bah ouais, je peux l'appeler et lui demander de venir si vous voulez. Ouais, les frangins, je crois que c'est bon. Allez, vas-y, bah comment ça va, frérot? Très bien, et toi? Oh non, pas lui. Putain, pas la lui. Sortie des Je suis là. Bon, on se fait la bise. Ça va aller, non? C'est gentil que tu peux garder ta bouche près de ta bouche à toi, oui. Il y a un air quand même, regarde un peu les pommettes. Je vais me la ravaler, ma salive. Les pommettes là. On voit qu'ils sont sortis du métro. Attends, il a fait de même personne que moi, fils de pute. Il m'a imité. Comment ça, on se ressemble pas du tout? C'est quoi ces bêtises? T'es dans une grotte ou quoi? Quel enculé. Y'a de l'écho dans ma tête, oui. Ouais, c'est baisé. Bah, bien sûr qu'on se ressemble, qu'on est frères quand même, hein. Ouais, c'est vrai. C'est qui le plus vieux encore? Bah, que c'est lui, hein. Bah bien sûr, moi je suis plus jeune des plus vieux. C'est un chat, c'est horrible. Ou le plus vieux des plus jeunes, ça dépend. On dirait un vieux qui parle pauvre, un Suisse, et de la merde. C'est insupportable mon frère, Bon allez, je vais mettre ce message moi, hein, qu'on va leur donner rendez-vous ici. Grand casting, fais un grand casting carrément. Oui. Il lui manque la conviction d'être suisse, ouais, c'est vrai. C'est ça. T'as tout le monde en train de mettre des messages là ? Merde. J'ai trouvé un client, les gars, on va se faire des tonnes de fric. Ah ouais? Oui, comme ça. Ouais. Des tonnes de fric comme ça, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. J'arrive ici, les gars, je me sens bizarre. Ouf, fais pas ça tout de suite.
On se casse, parce qu'on peut venir. Oui. Merci les gars, je vous ai pas lu. Tu te souviens de cette règle des 500? La règle a changé, il n'y a plus de règle. La règle suivante, on ne parle pas de la règle. C'est vrai qu'avant on pouvait pas avoir 500$ au tout début avec les juifs, 500$ en poche maximum. Putain, cette règle de... C'est pour une nouvelle émission hein, sur la Prixi TV. Ça va être diffusé sur Netflix. Allez. Allez, c'est chaud. Oui, chaud, juste chaud. Avant Prix. Allez, on veut voir si vous êtes fait pour le rôle. Donc, ils peuvent pas tu vas reculer un petit peu, tu vas regarder par là comme ça et tu vas faire un retournement au visage, regard mystérieux. Allez, vas-y. On regarde. Ouais. Non, toi, tu peux mieux. Fais mieux que ça, tu peux mieux faire. Je veux sentir que. Tu vois, on veut avoir envie de te regarder quand tu vas là, on n'a pas envie de te regarder. Alors, attends, tu attends je me mets dans mon personnage, attends deux secondes. Mais de l'émotion. Tu vois, tu dois nous séduire comme ça, là tu nous séduis pas. Hein. Pourquoi il court hein? Si je me mets dans mon personnage, attends. Ah. Tu nous séduis, attends. Il l'enfile, il enfile le costume virtuel là. Mmh. Allez, Speedy Gonzalez, c'est à toi de jouer. Je suis un homme. Mais j'ai des fêlures. Waouh! Oh, c'était bien ça! J'ai ouais, bien aimé! Bien, hein. C'est pas mal, c'est pas mal! Ouais. Ouais, je peux trouver un rôle dans un téléfilm, ouais, ça c'est sûr. Ouais. Moi je suis partant pour tout type de rôle, hein. Je fais tout. Hein. Alors, tu veux pas recommencer et tu dis bonjour madame, je viens réparer la chaudière. Allez. Allez, ça marche. Bonjour madame, je viens réparer la chaudière. Bon, il est embauché, hein. Ouais, bonjour, je le prends lui. Allez, ouais, à l'autre ouais. Maintenant, voir s'il est aussi bon. Allez, allez, vous voulez que je fasse quoi moi? Non, même chose. Mais avec ton style à toi, ton propre style. Mm. Ok, ok. Allez, faut que je me mette dans la peau du personnage. Voilà, tac-tac. Est-ce qu'il va y arriver? Allez, c'est parti! Allez, imprègne-toi bien. Il s'imprègne beaucoup là. Action! Je suis un homme. Et qu'est-ce que je suis beau? Non, aucune conviction, rien du tout, c'était plat, c'était mou, mauvais. C'était de la merde. Allez, tu recommences. Je te trouve même pas un figurant, là, rien du tout. Ouais. Je peux essayer avec je suis une femme, ça sera peut-être plus convaincant. Oui, c'est vrai. Je suis un homme, mais je suis vraiment très beau. Ça t'a mieux, hein? Ouais, un peu mieux. T'as du potentiel, faudrait un peu te sculpter. Faut qu'il se décoince un peu, je pense. Un petit peu, je crois. Timide. Attendez, je vais vous faire un exemple. Oh, une star qui nous fait un exemple. Non, Brian, pourquoi tu m'as brisé le cœur hein? Oh, Brian. Oh bah bravo. Ça, ouais, bravo. Il y a quelque chose. Franchement, j'espère que vous avez appris. Quel talent. Là, ouais, c'est d'accord. Il faudra du temps pour arriver à son niveau. Hein. Ah, mais ça sera très bon. Donc, il a fait des grandes pubs hein, pour le shampoing pour les obèses. Notamment, ah hein, bon sa plus grande réussite. Hein. L'obèse tout que ça s'appelait. Hein. On le voyait sous la douche avec deux grosses. Vous souvenez pas? Oui, moi je me souviens. Puis après, on le voyait. Ouais, ça me dit quelque chose. Moi j'ai fait la dernière pub pour arriver là. Je sais pas si vous connaissez. Attends, ça me dit rien, non? Ouais, j'ai fait la dernière pub pour arriver là, en fait c'est une boisson suisse. Et du coup voilà, j'ai fait la pub. Vas-y, refais-la à moi, que ça me remette dans le contexte. Rivel. Ah, il est meilleur là-dedans. Oui. Quelque c'est chose. C'est pour ça que je pense, c'est pour ça. Ça pourrait être mieux. Ouais, que je l'ai pas trop là quand même. Hein. Ouais. Mais incroyable cette pub. Bien sûr. Bon bah du coup, quelqu'un prend leur numéro de téléphone, on va vous faire passer des contrats sous 48 heures. Hein. Allez, ça marche, je vous laisse mon numéro. Allez, chez Rabbi Bench. Oui. Nous avons deux nouveaux personnes qui souhaitent être figurants. On va se mettre un peu plus loin si vous voulez. Et j'en rigolais à toutes les blagues. On va se mettre plus loin si vous voulez, j'entends pas. Hop, pour figurer. Vous avez des doigts, bravo. Merci. Oui. Parti, t'aurais pas les clés des roulades. Vous voyez les Suisses, ils sont là. Et c'est à eux qu'il faut s'adresser. Si, je te donne ça après, ouais. Ah, c'est cher. Oui. Tu sais, moi j'ai le temps. Ben oui, bonsoir, je suis un fan du figurantisme. Voilà. Pardon ? J'aime le figurantisme, oui. Oui. Et ils ont beaucoup d'humour. Ah, oh, c'est vrai ça ? Il faut rigoler dans la vie, sinon elle serait triste. J'ai beaucoup d'humour, ouais.
faites quel genre de figurantisme? Écoutez, ça peut être tout et n'importe quoi. Je peux me transformer en plante, je peux me transformer en militaire, je peux faire un peu ce que je veux. Bon, la plante et le militaire, c'est un pléonasme. Oui, c'est vrai que c'est un pléonasme. Je suis d'accord avec vous. Juste, c'est pour quel poste? Déjà. Tu ris encore une fois comme ça, je te préviens, je te casse la gueule. Bah, c'est mon rire. Bah, c'est des figurants dans un premier temps, après vous pouvez évoluer vers... Bonne journée, monsieur. Mais écoutez, quoi qu'il advienne, oui, j'adore être figurant, le figurantisme, c'est ma passion. Bon. Le cinéma est un art qui mérite d'être vécu. Ça, c'est bien dit, ouais. Bien sûr. Bah écoutez, moi, je pense que ça va être oui, mais je suis pas encore sûr, parce que c'est pas que moi qui prends les décisions. Bien sûr, et... Mais je peux vous dire une chose en mangeant ma galette. Ouais, bah parle pas la bouche pleine de Marty chérie, c'est un peu vulgaire. C'est pas vulgaire. C'est sale. C'est pas vulgaire. C'est salement vulgaire. Et du coup, c'est qui le producteur de ce film? Ah, le producteur, il est passé où le producteur? Il est dans sa caravane. Ouais, il est dans le caravane. Il produit. Dans la caravane, il a beaucoup de choses qu'on peut faire. Oh là, il faut qu'il soit inspiré. C'est déjà un beau lieu de tournage, la caravane. Bien sûr. Oui. Ce que je vous propose, c'est que demain, on vous fait passer le contrat. Que ce soir, on aura peut-être besoin de vous pour un essai qui sera rémunéré. Disons à 22h devant le poste de police. 22h devant le poste de police. Parfait, j'y serai, nous y serons. Il faudrait que vous soyez habillés comme des bandits. Devant comme le poste de police. Devant le poste de police, à 22h. Ah, ils sont prévenus, vous inquiétez pas. Et n'oubliez pas de courager, on est devant la police. C'est un film, hein. Ils sont prévenus, bien sûr. S'ils sont prévenus, ça va. Bien sûr. Il n'y a pas de souci, hein. Écoutez, nous y serons à 22h. Et est-ce que vous voulez qu'on vienne comme des bandits, donc cagoulés, je suppose? Évidemment. Oh, avec des accessoires? Oui, des chaînes qui touchent à vos pénis, par exemple. Ah oui, des trucs américains, quoi. Ouais, voilà, on va venir comme ça. Ouais, pas de soucis. Pas de soucis. Et avec la conviction, hein. La conviction, c'est la vie. Bien sûr, toujours, très important. Dans tous les cas, l'argent, c'est pas le problème. On va prendre quelqu'un pour leurs coordonnées, quand même. Bien sûr, je m'en occupe. Oui, je vais vous les donner, madame. Donnez votre numéro, car moi, j'ai pas encore eu le temps de passer à la boutique. Ouais, donnez nos tenues. Toi, donne ton numéro pour le moment. Ouais, vas-y, je vais lui donner le numéro. Vous allez y arriver, monsieur. Moi, je vais venir. Oui, là, mais je suis un peu intimidé, je suis désolé. N'importe. Bah, en tout cas, vous avez un bel espace de travail ici, bordel. Oui, c'est vrai. J'ai Et dans la plupart des temps, vous faites quoi comme type de tournage? Alors, voilà, madame. Bah, ça dépend ce qu'on nous demande, hein. Ah, vous voulez qu'on vous mette plus loin? Ah, du style du cinéma, quoi. Oh, cinéma, publicité, presse. Ah bien, ça c'est bien, vous travaillez avec la presse du coup. Maintenant qu'on est un organisme de presse aussi. Ah oui, très bien. Vous pouvez faire donc tout type de reportage pour la presse, c'est-à-dire par exemple tourner vers la politique ou des choses comme ça. Ah, bien sûr, oui. On peut tout faire. Bien. Et bien dans ce cas, enchanté de vous rencontrer, je suis monsieur Fratkovic. Donc ça devrait me parler? Non, pas du tout, simplement vous savez... On m'a expliqué que les Américains sont très, très soucieux du respect, vous voyez. Donc, enfin, non, on n'est pas américain. Le respect, moi, je ne suis pas américain non plus. Bon, le respect, ça se gagne, ça se mérite, et ensuite, on s'insulte. Ah oui, bien sûr. On boit des pintes et on se tabasse, comme au PMU. Ah non, quand même pas, qu'on a une certaine dignité ici, un certain standing. Vous savez, le PMU est tenu par des Français, et les Français aiment bien se battre. Et vous venez où, sans agression, M. Povic? Moi, je viens de Moscou. Moscou? Bien sûr. Magnifique, ça. On gère pas trop le cul là-bas. Non, là-bas, vous savez, il y a des plages remplies de femmes en bikini en plein hiver. Donc, les Russes ne sont pas très soucieux du froid. Ouais, vous n'êtes pas intéressante. Ah, bon, bonne soirée, messieurs dames. Chérie m'a fait des propositions indécentes. Bon, j'en ai rien à foutre, et que c'est pas mon problème, hein. Ça te changera pour une fois. Comment ça, des propositions indécentes? Je vous ai dit que vous ne servez à rien puisque vous étiez chargé de communication. Après, il m'a regardé dans la poitrine comme ça, puis il a voulu mettre la main, je l'ai repoussé, je lui ai dit non. Pour ce qu'il y a à voir, de toute façon, hein, je suis pas sûr qu'il ait vu grand chose. Une fois qu'on veut te mettre la main, t'aurais dû dire oui. Nouvelle blague pour toi. Oui. Je fais vraiment des films, hein. Non, ça c'est pas vrai, on l'apprend jamais. Je pense que c'est pas du tout faire du haut. J'ai pas compris, hein. J'ai pas compris. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée. Ouais. Quelle horreur.
Ah si, bah. Bon, lui, pour sa blague, on le payera moins. Pourquoi il en dit par la balle? Oui, il veut me faire de la concurrence, il est loin, loin derrière moi. Ah, moi, j'ai trouvé qu'il était meilleur, il était plus vif. En tout cas, Roman, t'as une belle paire. Lesquelles? La belle paire de Mist. Ouais, Claudie, c'est bon, j'ai décoincé la petite voiturette qui était coincée là. On fait pas. Eh, mais t'es, hein. Il y avait pas un 4x4 avec plein de gens qui sont passés là, c'était pas pour. Bah, si, mais ils sont repartis. Coucou. Oh, le coucou suisse. Mais t'es en train de péter tout le bar. C'est pas ouf, c'est parce que j'ai pas de shader. Ouais, est-ce que tu peux. Ouais, chez moi c'est joli, hein. Je suis en tout max, les gars. Tout max entre 100 et 130 FPS. Ça va, je. Après, c'est l'encodage Twitch, hein. Je peux rien faire de plus, hein. Je balance 6000 kilobits secondes, là. Je peux rien faire de plus. C'est donc ici la chaîne du crime. En 60 FPS. Je peux pas aller au plus. Cascade. Ça y est, il va me faire remuer Julien. Bon, faut qu'on se mette d'accord pour ce soir. Il faudrait qu'on trouve un. J'avais. Bah, tiens, le voilà, lui. Toujours à Rotter. Oui, donc, le plan. Prends ton temps, hein. De bouger, on t'attend. Ça va, j'étais en train de ranger les bagnoles. Bah oui, oui, c'est ça, oui. Ha ha ha, très drôle. Bon, ouais, ce que je propose, c'est donc qu'on fasse l'âme fatale ce soir, qu'on va se mettre devant le commissariat, qu'il me faudrait deux policiers, avec ou peut-être trois policiers, tiens. Qui veut faire le policier? Ah, moi, je veux bien. Ouais, moi, je pense que Ramish aussi, ça ferait minorité, ça serait pas mal, ouais. Oui, ouais, c'est vrai, faire, ça. Oui. Alors, deux policiers et trois. Bonsoir, vous êtes en état d'arrestation, baissez votre froc. Parlez-vous. C'est pas ce genre de policier, mais. Ouais. Allez, moi je suis avec eux. Là, on va faire quoi? On fait la scène des chiottes? Non, faut vous mettre devant le commissariat, d'accord? Que nous vous filme sur le. Et vous avancez, que nous on va prendre le gros camion en plateau, comme ça, en caméra tournante qui roule. Et qu'on va vous suivre comme ça, et vous allez parler bien fort de votre journée en disant que vous allez bientôt avoir la retraite, tout ça. C'était pas fait pour vous, tout ça. Et d'un coup, là, Vlatipak, t'es appelé sur une scène. T'es appelé quelque part. T'es appelé qu'il y a un braquage. Oui, l'intervention, voilà. Mais non, mais moi, il y a ma retraite. J'ai pas envie de finir les pieds sous terre. Bah, Vlatipak, il faut que t'y ailles ici. Va falloir y aller, hein. Faut pas dire ça, il faut dire putain. À deux jours de la retraite. Ah, voilà. Putain. Donc là, vous discutez de votre journée, vos femmes, la retraite, là pendant une minute, tu vois. Et ensuite, bim bam boum, vous remontez dans le véhicule, ok. Et là, on vous filme course-poursuite, gyrophare. Et quand je vous dis stop, c'est stop. Là, on va faire quelques prises de vue comme ça. On prend les gyrophares suisses. Les gyrophares quoi? Oui, les gyrophares suisses. Coucou. On fait ça en grand temps, quoi. Quelqu'un peut l'assassiner, s'il vous plaît. Ah, moi je veux bien. Alors, on fait ça quoi, grand angle ou super 8? Oh, je sais pas, hein, je suis pas professionnel, hein. Ah, c'est toi hein, qui étais réalisateur. Hein. Je crois qu'il faut faire un travelling. Je pense qu'il faut pour s'adapter, il faut faire ça à la super 8 un peu à la main, comme ça, hein, sans tri, sans rien, vous voyez. Pour ouais, un peu bon, faire ça vivre va, la scène. Ça va. Et par contre, il faut trouver qui c'est qu'on va braquer. Bah, les deux bandits. Ah, bah non, c'est les figures. Bah, le PMU, hein. Non, moi j'aurais dit Lariz. T'es qui ça, Lariz? C'est un. Il y avait toutes les voitures, je pense qu'ils vont tourner plein bus ce soir, ça sera bien. Ah, c'est un oui. Ouais, c'est pas mal. C'est pas super, Lariz, oui. On les braque, on arrive, les pistolets, qu'on prend deux pistolets. Pistolets à eau. Par contre, moi je vais faire le. Je vais faire le caméraman, je vais faire le filmage, hein. Il me faudrait les acteurs qui vont faire le braquage. Jensen, tu prends un. Mais attendez, mais ça, on va appeler les gars qui pourraient faire les braqueurs, non? Ah, bah que non, hein. Non, non, là, on va en prendre qu'un, hein, qui va venir, que nous, on va le prendre quand on aura fini la scène devant les policiers. Mais qu'il faut quelqu'un pour l'encadrer, hein. Ouais. Jensen, qu'est-ce que t'en penses? Oh, je sais ça va pas, lancer ta carrière, ça. C'est le bandit que tu pourrais faire, le grand bandit que ça peut lancer ta carrière, le bandit qui fait des blagues. Ah ouais, c'est vrai. Le bandit qui brandit des blagues, le 3B. Idée. Le Arsène Lupin de Genève, oui. C'est pour ça, oui. En vrai, essaye un peu comme ça, répète.
S'il vous plaît, messieurs, dames, veuillez bien écouter. Vous allez tous lever les bras. Oui. Ah, il est méchant là, oui. Moi je veux pouvoir. En attendant qu'on va faire deux équipes, il y en a qui vont partir en repérage au niveau du commissariat pour voir qu'est-ce qu'il y a là-bas, s'il y a beaucoup de monde, etc. Voir comment qu'on va se positionner là-bas. Et qu'il y en a d'autres qui vont partir prévenir le Larise hein, qu'on fait le braquage là-bas pour la télévision. Ouais. Okay, bon. Est-ce qu'on a des matraques pour les policiers? Oui, bah viens avec mon Larise. Ah, puis bah sinon. Oh, une braqueuse, c'est bien aussi, hein. Ah oui, moi je veux faire équipe avec une braqueuse. En château, je suis pas très bonne actrice, mais je peux essayer. Allez, très bien. Ouais. Allez, bon, bah, Larise. Groupe Larise 3 ou 4 et le groupe Speedy 3 ou 4. Voilà. Mais je suis pas du tout forte, moi, en braquage. Mais tu sais pas, on va faire une belle. C'est parti, je vais me maquiller, me changer. J'ai beaucoup de temps, Jess. On viendra ici se changer, oui. Faut qu'on soit prêt à 22h, ça laisse le temps de faire l'aller-retour. Se changer, se mettre en place. Tout ça, si tu veux faire Jones, hein, Jess, il faut que tu remontes tes manches comme ça. Là, je fais le réel ce soir, après je fais l'acteur. Qu'est-ce que t'insinues ? C'est que tu fais vieux, voilà. Tu fais pas ton âge. Je suis pas si jeune que ça. Hé, Marty, avant de partir là. Ah, déjà, on a pris des voiturettes pour s'en servir. Faut que tu donnes les clés à ton frère et puis à l'Indien. Ah, oui, que c'est vrai, oui. Ça sera plus pratique. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une pento, que c'est pas à nous, ça, si. Non, c'est pas c'est à l'Indien. Ah, ok. C'est lequel qui a pas ses clés, là? C'est lequel qui veut ses clés, là? Quel plaisir, c'est un match. Les deux. Tu veux tes clés, frérot? Avec Ramesh, on aurait voulu les clés. Bon, donnez-moi vos cartes d'identité, là. Ah ouais, ouais, oh, ben, super. Ouais, je m'en fait pour le follow. Voilà. Oui, je sais que je te ressemble pas sur la photo, mais c'est normal, je suis ton frère. C'est bon ? Bah, j'en sais rien. Attends, j'ai chié dans la colle ou quoi ? Ah non, je suis un abruti. Ok. Alors pour Ramesh, là dis pas qu'on est bon et toi maintenant, redonne s'il te plaît. Oui, je vous redonne. Alors tiens. C'est Karl, Karl Benz. Voilà. Plus fidèle que certains modos. Oh. Salut John. Excusez-moi pour ce que je loue. Bon allez. Et du coup alors attends, eux ils vont aller changer et nous on va faire le topo et les speeder et Larise parce que... Nous on va au Larise et les autres ils vont aller Ah mais les autres ils sont partis changer pour faire la scène donc autant qu'on aille tous Parce que toi, tu vas faire toi tu vas faire aller speedy ou comme c'est le speedy, policier, faire... oui. Hein. C'est même pas les suisses mais qui depuis tout à l'heure. Bon, en tout cas faut vraiment aller au Larise pour voir, ça c'est important donc on y va. Tu viens avec nous? Donc on va leur faire croire que c'est pour une scène de film, hein. Ouais. Après, bah, ils seront obligés de donner le butin. Alors, on va leur prendre quoi, 10 000 dollars, je pense, c'est bien, non? Ouais, c'est ça, et on va leur dire qu'on les rendra après. Voilà. On va très bien. Putain, mais c'est pas gueule, là, mais vous attachez, bordel, à mon bar. Oui, attachez vos sièges de ceinture, que ça décolle, là, dans... Ouais, je suis attaché. Oh la vache. T'as un mec qui s'attache, toi, hein? Ouais, je suis. Et qui s'empoisonne. Ah, j'ai la référence, là, mec. Ouais, c'est bien. Pas bien de chez moi, mec, je l'ai quand ta même. Ta référence, hein. Toi. J'ai vu du pays. Putain. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Je te sens tout stressé là. Ouais, c'est vrai, ça, on dirait que tu vas remettre. C'est ma conduite qui te déplaît. Ah, c'est quand je suis derrière, je suis malade. D'ailleurs, petit sac là, derrière le siège. Bah, ça, c'est pas un truc à dire en club gay, hein. Ça, il faudra la noter, hein, pour notre humoriste. Ouais, grand. Putain, d'ailleurs, va falloir le travailler un peu, parce que là, pour l'instant, c'est pas non plus. Bon, on va surtout organiser une représentation, hein.
falloir qu'il travaille. Il remplira pas le piano. J'aimerais bien le choper. Il faut faire un petit spectacle de 10 minutes. Du coup, faut qu'il participe là. Tu mettes son tel dans le Discord. Je sais pas si t'es là, Nanar, je pense pas. Mais qu'est-ce qu'il fait chaud ici? Eh, par contre, moi j'ai une question. Ouais. Jess Martins, là, Jess. Ouais. Il est là, la jaquette. Ah, j'allais dire, je pensais qu'il a un peu de l'autre équipe, ouais. Ouais, il suce des tubs. Parce que là, putain. Ah ouais, t'es si boulot, ok. Il a l'air de dire que non, mais bon, je crois que. Ouais. Bah, je pense qu'il est pas que de la jaquette, hein. Je pense qu'il a mangé tout le CD, le disquaire, hein. Ouais, ça, ouais, ça. Bah, on le prend comme il est, on le prend. Hein, okay. Hein. En tout bien, tout honneur, hein. Ah, oh, moi, j'ai jamais dit quoi. Dis-moi, mon adresse, ça fait jamais de mal. Il n'y a pas besoin d'acheter des voitures, on les a, les voitures. Oui, tant que c'est entre amis. Faut lui dire, c'est marrant. En fait, c'est Nana, il faut. Ouais, bah, il s'est pas renseigné avant. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il en me regarde. Il faut qu'il appelle les gens qui sont dans le groupe, il y a les numéros sur Discord, dis-lui, moche. Chamix, pardon. Wow, Marty là! Aïe, aïe, aïe! Aïe, j'ai mal! Aïe, oh putain de merde, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Pourquoi que la voiture elle a tourné dans tous les sens là? Attendez, je regarde là, la caméra elle a tourné ou pas là? La caméra elle est bonne la prise? Ah ouais, putain, il est cascadeur, mais faut lui dire que quand on a pas d'action, c'est pour faire cascadeur quoi. Ça se voit que c'est une bonne voiture, hein. C'était impressionnant là, hein? Ouais. Tournoyant, j'ai. Sacrée prise, hein? Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah t'es meilleur que Jess, hein. Non, c'est un détour, hein. Non, c'est un tonneau. C'est un détour, je te dis. Dis pas n'importe quoi. Je sais encore. Tonneau, si je te dis que c'est un tonneau, c'est un tonneau. Bah si je te dis que c'est un détour, c'est pas hein. Un détour, c'est quand tu détournes quelque chose. Là, t'as fait des tonneaux. Ah, je pense que c'est un peu les deux. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que t'as peut-être rien, mais. Il faut qu'il appelle les gens qui sont dans le groupe. Il y a les numéros sur Discord. Dis-lui, moche. Chamix, pardon. Wow, Marty là. Aïe, 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 j'ai mal. Aïe, oh putain de merde, qu'est-ce que c'est cette histoire là? Pourquoi que la voiture elle a tourné dans tous les sens là? Attendez, je regarde là, la caméra elle a tourné ou pas là? La caméra elle est bonne la prise? Ah ouais, putain, il est cascadeur, mais faut lui dire que quand on a pas d'action, c'est pour faire cascadeur quoi. Ça se voit que c'est une bonne voiture, hein. C'était impressionnant là, hein? Ouais. Tournoyant, j'ai. Sacrée prise, hein? Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah t'es meilleur que Jess, hein. J'ai fait un détour. Non, on appelle ça des tonneaux. Non, c'est un détour, hein. Non, c'est un tonneau. C'est un détour, je te dis. Dis pas n'importe quoi. Je sais encore. Si je te dis que c'est un tonneau, c'est un tonneau. Bah, si je te dis que c'est un détour, c'est un détour, hein. Un détour, c'est quand tu détournes quelque chose. Là, t'as fait des tonneaux. Ah, je pense que c'est un peu les deux. Moi, je pense que c'est un déno. Ouais, c'est. Oh, ouais, ouais, un déno. Un déno, je suis d'accord. Allez, c'est le déno, dis donc. C'est le déno. Ah, téléphone. Allez. Qui c'est qui sonne? Mais je sais pas qui sonne. C'est le parc. C'est qui sonne? C'est moi là, non? Si, c'est toi. Ah non, c'est moi. Allô? T'as, il a pas été à la bagnole. Allô? Je ne sais pas comment ouais, bonsoir, comment allez-vous? Bon. Je suis très bien. Il faut que t'appelles. Oui, ça va très bien, Jeff. Ça ira encore mieux ce qu'on va vous proposer. Jeff, ok. Jeff, t'appelles Jeff. Alors, Jeff, et tu lui dis de venir te chercher. Oui, on va faire. On aimerait bien utiliser le téléphone. Il va venir me chercher, t'es sûr? Mais oui, il est plus proche de toi, nous on est dans le nord là. D'accord, je l'appelle, merci, tu viens tout de suite. En même temps, ça vous fera ta publicité, vous voyez, vous serez vu au grand jour, on dira l'Olaris, etc. Ça passe. Oui, que là qu'on a un rôle de premier choix, que ça peut être incroyable pour vous, hein. Ouais, incroyable. Bon, après, moi je suis pas un grand acteur, mais en tout cas, si vous avez besoin du parking et puis. En fait, je te fais le topo, d'accord, qu'on va arriver avec le camion de tournage, qu'il y a des braqueurs comme ça qui vont venir, ils auront les fusils, les pistolets, ils vont arriver, ils vont te dire donne-moi la voiture et donne-moi 10 000 dollars. D'accord? Oui. Là, bim, toi, tu as peur, tu es effrayé. C'est la première fois de ta vie que tu vis qu'un instant aussi fort. Ouais. Tu les regardes dans les yeux. Tu leur dis, je veux pas mourir pour une voiture et 10 000 dollars. Ouais. Alors. Et là, tu leur donnes 10 000 dollars et la voiture. D'accord. Et nous, derrière,
Bon, bien sûr, on revient, on rend la voiture, on rend les 10 000 dollars. C'est le studio Majestic, hein, Richardson, hein, c'est notre métier. Et après, ouais. Nous, dans la presse, qu'on te fait une magnifique pub pour avoir participé. D'accord, il faut que je fous leur dessus une mallette avec 10 000 dollars de cash dedans. Bah, non, c'est que, ouais, là, avec l'urgence, oui, que c'est une commande, qu'on les a pas devant nous, là. Non, on a plus de faux billets, on ouais, essaie donc, de tu faire mets, tu, si on tu veux, tu mets des... Je te vends des faux billets, moi. Bah voilà, tu mets des faux billets, si tu veux, hein. C'est 2 dollars le faux billet de 1 dollar. Oh putain, mais ça sur la rédac, ton truc. Ouais, mais non, mais vrai. Ça coûte plus cher, et... Ah, attendez, attendez, c'est monsieur comment, d'ailleurs, avec le chien, hein, patron, ici. Perkins. Je Perkins. Pense, c'est dans ce cas. Vous pouvez un peu reculer et tourner une fois à gauche et à droite, que je vois votre meilleur profil pour le cadrage. Ah, c'est pas... Il y a quelque chose. Oui, oui, et l'autre oui, voilà, c'est celui-là, votre meilleur profil. Oui, c'est oui, celui-là. Oui, c'est ça, oui. Mais bien. D'accord, on est d'accord. Ah, bien. Oui, c'est ça. Oui, bien. Oui, bah, vous savez. Ah, c'est celui-là. Vous bien. Avez vraiment le, hein, un visage parfait pour le cinéma, monsieur. Ah, voilà, oui, ça fait plaisir. Hein, on peut vous trouver un petit rôle dans un téléfilm hein, ou dans oui, un oui, d'ailleurs, si ça se passe bien ce soir, quoi, vous pouvez être dans notre petit book. D'accord, mais du coup, il faut que je vous sorte un véhicule, c'est ça? C'est ça, un véhicule et une petite mallette. Peu importe, faut qu'ils partent avec, hein, bien sûr. D'accord. Nous, on sera là, on va tout filmer, hein. Ok, bah il est où votre rocambure du tournage? Attendez, on a dit quelle heure, à quelle heure? On sera là vers 10h15, quelque chose comme ça, hein. Ouais. Tac. 22h15? Par là, ouais. C'est ça, ouais. Ok, bah écoutez, je note. 22h15. Et du coup, quel type de véhicule, à peu près? Peu importe, on s'en fout, hein. Bah rien à foutre. Ouais. Oui, rien à foutre, c'est juste pour le... Oh, la ruineur, là, c'est pas mal, hein, ça fait bien le braqueur qui vient comme ça, tu vois. Ok, d'accord, eh ben, écoutez, ça roule, je vous mets ça en place pour 22h15, alors. Ah, mais parfait. Bon, très bien. Et ne vous étonnez pas si vous ne nous voyez pas directement, voyez, nous, on filme un peu comme si on était un peu en caméra cachée pour rendre la scène un peu vivante, voyez. Il y aura le gros camion, quand même, hein. Voilà, il y aura le gros camion. Okay. Mais vous filmez avec des drones aussi, ou pas? Bon, non, c'est un gros camion qu'on est dessus avec les caméras. Ouais, un camion rail, vous voyez, comme ça. D'accord, ok. Pour faire des travelling, ouais, c'est des termes cinéma, ça, ouais. Et télé, ouais. Ok, des travelots, ça roule. Vous inquiétez pas, c'est encadré par les shérifs, hein, que vous allez voir le véhicule. Hein. Ah bah, ça roule. Mais pas de problème, 22h15, pétante. Oui, entre 22h15 et 22h25, suivant le trafic. Ok, bah, y'a pas de problème, moi je me tiens prêt, hein, je m'échauffe un petit peu, et puis après, bah, c'est parti, hein. Hein? Ah bah hein. Super, allez on fait comme ça, on se dit à tout à l'heure hein. Bah à tout à l'heure messieurs. On reviendra avec les contrats. Allez, à tout à l'heure. Oh, ça va... Il a l'air bon comme acteur moi je trouve, ça va, ah ouais, ça va faire un bon film hein. Alors, son profil, je n'ai jamais vu un profil comme ça. Ah y'a quelque chose, on a trouvé. Y'a quelque chose, il dégage quelque chose. Bon bah super. Vous, il faut que vous vous mettiez comme...